Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo du mardi. Donc aujourd'hui 21 avril, 36e jour de confinement. Et j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit. Alors hier, je vous avoue que j'ai eu un petit coup de mou. Alors attention, je dis coup de mou et pas baisse de morale. C'est-à-dire que le moral était là. Mais là, je sentais que mon corps, il était pouf, c'est complètement vidé. J'avais envie d'une part et surtout j'étais incapable de faire quoi que ce soit, donc j'avoue que j'ai pas fait grand chose. Alors comme je le dis souvent, c'est pas dans mes habitudes, mais là franchement je l'ai senti que ça m'est tombé comme une chape de plomb. Et ce matin, pour la première fois, j'arrivais pas à me lever quoi. C'était vraiment je sais pas à quelle heure j'ai fini par me lever. Il était 9h, 9h30. Alors certains vont dire, ouais, ça c'est pas une grasse matinée, mais pour moi si, je me lève jamais à cette heure-là. Et je me suis forcée à me lever parce que je... Non, j'y arrive pas, quoi. Donc je sais pas à quoi c'est lié, le fait de pas, même si, oui, je passe pas ma vie dehors, mais je sors quand même un peu plus que maintenant. Mais c'est, ouais, c'est un peu compliqué. Mais par contre, le moral, ouais, toujours là. C'est toujours youpi. Alors hier, j'ai fait une mini sortie de un quart d'heure. Donc bon, pour aller à la boulangerie, ça c'est une chose. Et puis surtout que je vous montre, j'ai acheté des masques. Parce que là, ça c'est surtout pour les Bretons en fait, qui comprendront. Voilà. Alors je ne sais pas si vous les voyez avec les... Donc là, vous avez un triskel. Vous voyez, hop, hop. Là, c'est... C'est les petits personnages qu'on voit sur la faïencerie de Quimper. Enfin bon, bref, ils sont magnifiques. Et moi, j'en voulais obligatoirement, hein, parce que ma maman m'en a fait. Elle a pu me les envoyer. Voilà, c'est mignon. Elle a pu me les envoyer par la poste. Mais ils sont, c'est des classiques, ils sont très bien et je m'en sers. Mais j'en voulais quand même un, forcément, pour montrer. Puis de toute façon, je pense que là, on va reprendre une vie petit à petit plus ou moins normal, je pense, moi perso, que je vais quand même continuer d'adopter certains gestes. Bon, lavage de main, théoriquement on était censé tous le faire, mais là on le fait encore plus. Mais je pense que le masque, ça va devenir, je pense qu'on se moquait un petit peu des Chinois, tout ça, parce qu'ils en avaient tout le temps. Mais je crois, moi perso, que ça va être comme ma canne. J'en ai toute une collection, toutes plus jolies les unes que les autres. Mais je pense que je vais avoir des masques qui vont être de couleur et en fonction des vêtements que j'ai portés. Donc voilà. Donc petit coup de mou, mais morale toujours là. Donc je vous souhaite une très très belle journée. Et puis surtout, bah, si vous avez un petit relâchement, bah, vous n'hésitez pas à téléphoner à ceux que vous aimez. Et puis voilà. Donc je vous fais plein plein de gros bisous. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Et à demain.